Après cette vidéo, tu seras capable de réaliser ce design que tu vois là. Le design avec un contour incorporé et aussi avec un décalage qui est appliqué automatiquement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas aussi compliqué que ça. Donc je vous recommande de rester jusqu'à la fin pour suivre attentivement aussi pour savoir réaliser ce genre de design. Mais ce genre de design peut passer sur un t-shirt. Ce genre de design pour réaliser pour des tests, voilà, dans vos conceptions. C'est un style assez intéressant. Donc, raison pour laquelle vous allez rester jusqu'à la fin pour apprendre à réaliser ce design sur Adobe. Une fois que vous êtes sur Illustrator, vous créez votre plan de travail. Vous venez dans Test. On va saisir le test. Dit. On agrandit le test. Comme cela. On met la couleur orange. Je mets la couleur orange à cause du background, c'est-à-dire à cause du fond, puisque c'est bien adapté comme cela. Donc, une fois qu'on finit de faire ça, on sélectionne notre test et on vient dans Fenêtre. On va cliquer sur Aspect, le panneau Aspect. On va ajouter un contour blanc, comme ça. Et vous faites descendre le contour en dessous du fond, comme ça. De telle sorte qu'on puisse avoir le fond en haut et le contour juste en bas. Donc on clique là pour augmenter la taille du contour, comme ça. Vous voyez? Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de venir ici et on va cliquer sur tracer décalage. Vous voyez? Sur cette partie, on va décaler à 7 mm et ici jonction, on va mettre arrondi. Et au niveau des points, on va mettre à 5, on fait OK. Donc actuellement, c'est un peu mélangé. Donc ce qu'on va faire encore, on revient encore sur les effets. Et on va cliquer sur... On cherche Pathfinder. On va cliquer sur Pathfinder. On va cliquer sur Réunion, tout simplement. Donc ici, on a la possibilité de venir modifier encore, par exemple, au niveau du décalage. Je fais double-clic. Je peux augmenter le décalage, réduire. Le décalage, plus on augmente, plus on a un décalage au niveau du sujet, plus on réduit, plus on a. Donc ça va dépendre de comment vous voulez que la chose soit, et c'est comme cela que vous allez faire ce qui vous semble intéressant. Donc je pense que j'ai fini pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker. On se retrouve pour une prochaine.